Eh bien bonjour, voilà encore un jeudi avec vous, le week-end c'est après, un jeudi avec vous et ça me fait plaisir parce que je constate que le groupe est de plus en plus charnu, hein, et de plus en plus argumenté, tout le monde intervient, ça me fait plaisir, je mets parfois mon petit grain de sel quand je vois qu'il y a de la discussion. Bon voilà, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'index glycémique. Je vous en parle souvent par petites touches, parce que c'est quand même le cœur de mon métier, c'est un outil formidable. L'index glycémique, on en a besoin depuis que l'on sait, moi je le sais depuis malheureusement longtemps, et j'ai lutté un petit peu contre les moulins avant, mais disons que pendant très très longtemps, on a faim, où on a oublié, où on n'a pas pu l'approcher, le fait que les glucides étaient à l'origine du surpoids, du diabète, etc. Voilà, mais maintenant que tout le monde le sait, que tout le monde est d'accord, des outils comme l'index glycémique, vous devez, à mon avis, vous devez les connaître pour pouvoir les utiliser. Je vais vous dire comment. Hein. Donc, index et glycémique, c'est vrai, ce sont des mots un peu médicaux, un peu scientifiques. Ça peut vous décourager, mais vous verrez, c'est vraiment un très très bel outil. Hein. C'est pas du tout éloigné de vos préoccupations quotidiennes. Suivez-moi et vous verrez. Hein. C'est un concept d'une grande simplicité. Hein. Quand on vous l'a bien expliqué, c'est d'une grande simplicité. Et puis, ça fait partie de ce que j'appelle les notions Eureka. C'est-à-dire, une fois qu'on les a compris, c'est fini. On les a compris pour toujours. C'est comme le vélo. Hein. Dès l'instant où on a fait un peu de vélo, c'est fini. C'est acquis, c'est définitif. Voilà. Donc, mais c'est d'un intérêt considérable pour le suivi et le contrôle de la lutte contre votre poids. Quand vous avez cet outil en main, que vous savez vous en servir, et surtout, encore bien plus, parce que pendant le régime, bon, bah, de toute manière, il ne sert à rien, puisqu'on ne mange pratiquement pas de glucides. Mais en revanche, c'est très utile, une fois qu'on a acquis son juste poids, un peu en consolidation, mais énormément en stabilisation, parce que c'est un gouvernail qui vous permet de passer entre... Mais de connaître, si vous voulez, parce que bien souvent, les gens leur disent, bon, bah, écoutez, voilà, des nouilles cuites al dente ou des nouilles bien cuites, bon, fait pas de différence. C'est une différence importante, très importante, surtout quand on en mange tous les jours. Je dis toujours que la vie, c'est 90 000 repas, et que quand on fait 90 000 fois la même bêtise, bah, on creuse un peu sa tombe avec ses dents, et que lorsqu'on corrige suffisamment tôt une erreur, eh bien, on modifie un petit peu le cours de sa vie. Voilà. Alors, vous savez que moi, personnellement, j'ai toujours été, je vous l'ai déjà dit, j'ai toujours été impliqué dans la lutte contre le surpoids, et que cette lutte contre le surpoids, je l'avais axée sur le surpoids, le diabète et, naturellement, les sucres. Alors, quand on dit le sucre au singulier, on parle du saccharose, on parle du carré de sucre blanc qu'on met dans le café. Hein. Et quand on parle des sucres, on parle de tous les glucides qui entrent à grande vitesse dans le sang. Ce sont les sucres rapides. Alors, tout ce que vous mettez en bouche, à part l'eau, ne provient que des trois grands nutriments universels, que sont les protéines, les glucides, les lipides. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y a que trois grands nutriments sur Terre. Alors, les protéines, je commence par elles, ce sont mes favorites. Je les ai toujours utilisées depuis le début dans mon régime. Vous savez que ma phase d'attaque commence avec des protéines pures. Pourquoi ce sont mes favorites? C'est parce que, pour plusieurs raisons, dont l'une des plus importantes, c'est qu'elles ne sont pas stockables. On peut stocker des graisses, on peut stocker un peu de sucre, mais on ne peut pas stocker des protéines. Si, on peut faire du muscle avec, mais c'est pas vraiment une réserve naturelle. Hein. Et surtout, ces protéines, elles sont très coûteuses à assimiler. C'est-à-dire que quand vous mangez de la viande, par exemple, eh bien, les protéines de la viande... D'abord, il faut savoir que quand vous mangez de la viande, toute la viande n'est pas des protéines, parce que je vois dans le groupe, on fait souvent... Alors, justement, j'en profite parce que dans le groupe, on dit souvent, il y a des gens qui viennent d'autres groupes, etc., dans lesquels il y a des gens qui donnent leur avis, etc., et il y a un avis
qui a été mal compris, c'est la quantité de protéines qu'on doit manger par jour, chaque jour. Alors je vois, certaines disent, il faut ne pas dépasser 1 gramme de protéines par jour. Ce n'est pas vrai. D'abord, avant d'entrer là-dedans, je dois vous dire que 100 grammes de viande, de bistec, ça n'est pas 100 grammes de protéines. C'est 20 à 25 grammes de protéines. Là, comprenez ça bien. De plus, lorsque vous voulez calculer les protéines que vous absorbez, 1 gramme, c'est le minimum. Hein, voilà, la science d'aujourd'hui et depuis longtemps dit qu'on a besoin d'un minimum de 1 gramme de protéines pour vivre. Pourquoi ? Parce que les protéines, ça intervient dans tous les domaines. Ce sont des nutriments bâtisseurs, ce sont des briques avec lesquelles le bébé va devenir un enfant, l'enfant va devenir un grand enfant, le grand enfant va devenir un adolescent, et ainsi de suite. Mais ce sont des aliments qui vous permettent de croître. Nous sommes pratiquement des blocs de protéines, hein, à part la graisse, l'eau, voilà, et les sucres qui ne sont pas très, très abondants. Hein, heureusement, les sucres ne sont pas très abondants et les variations du sucre sont infimes. Et il suffit, par exemple, d'avoir... vous avez 1 gramme par litre de sang, c'est normal. 1 gramme 40, vous êtes... mais non, 1 gramme 26, vous êtes diabétique. Vous comprenez ce que je vous dis ? Le sucre est dosé dans le sang très, très, très précisément parce que c'est un élément très toxique. À 5 grammes, vous êtes presque mort. À 7 grammes, vous êtes mort. À 20 grammes, vous êtes enterré. Donc, ça veut dire que les sucres, c'est à part. Donc, les protéines, pour moi, elles sont non stockables et elles sont très coûteuses à absorber. Lorsque vous mangez des protéines, eh bien, votre corps est obligé de les désintégrer chaînon par chaînon. Et ces chaînons sont très, très, très collants, adhérents. Et pour les casser, pour briser ces chaînons, les sortir de leur chaîne, il faut dépenser énormément de calories. Ce qui fait que si vous mangez, si vous consommez 100 calories de protéines, le corps doit dépenser 32, presque le tiers de ce qu'il avale, pour faire ce travail. Ce qui fait que lorsque vous prenez 100 calories de protéines, eh ben il vous en reste 67. Oui, donc l'économie énorme, enfin l'économie, la non-économie est énorme, la dépense est énorme. Deuxièmement, ce sont des briques qui développent et entretiennent les fonctions du corps. Elles sont très rassasiantes parce qu'elles ont un effet de satiété très prolongé. C'est ce qui fait que lorsque vous mangez les protéines à 1h de l'après-midi, si vous avez mangé suffisamment de protéines, jusqu'à 17h, 18h, vous êtes tranquille. Hein, voilà. Et c'est pour cela, pour ces raisons, enfin, il y en a d'autres, hein, bien d'autres, mais en l'occurrence, les protéines sont, pour les femmes, très hydrofuges. C'est-à-dire que lorsque vous prenez des protéines, vous urinez davantage. Hein, l'eau s'en va. Les protéines chassent l'eau de votre corps et vous urinez beaucoup. Voilà pourquoi je leur ai donné la première place dans mon régime. Alors, le deuxième nutriment, on a fait les protéines, le deuxième, ce sont les lipides. Les lipides, ce sont les graisses, voilà, les corps gras. Alors, ils sont plus caloriques que les autres, mais ils sont moins dangereux, somme toute, pour le corps. Voilà, hein. Ils apportent des calories, mais ce ne sont pas des mauvaises calories, ce ne sont pas des calories dangereuses, parce qu'elles sont stockées. Et je vais vous dire même que le corps aime ces calories. Les calories qui viennent des graisses sont des calories riches, etc., qu'on peut stocker. Et lorsque le corps fait des réserves de graisse, il est heureux parce qu'il a justement de la réserve de survie au cas où il y aurait un arrêt de l'approvisionnement en calories. Et là, il y aurait tout de suite un élément de survie. Alors, de plus, les graisses sont importantes parce qu'elles contiennent des oméga-3. Et les oméga-3 sont fondamentales pour le fonctionnement du corps, pour le fonctionnement des neurones. Elles participent à l'élaboration des membranes de ces neurones. Elles nourrissent le neurone. Elles sont d'une importance très, très capitale, je dirais. Hein, voilà. Donc, on en a besoin. Alors, vous allez me dire, mais dans votre régime, il n'y a pas de matière grasse. Si, il faut... Les meilleurs oméga-3 du monde sont ceux qui sont issus du poisson. Donc, prenez du poisson gras autant que vous voulez.
prenez plutôt du poisson gras que du poisson blanc. Hein. Alors, mais c'est pour ça, ça confirme le fait que ce n'est pas une question de calories, c'est une question d'intérêt, hein, d'intérêt nutritionnel. Alors on nous dit, ah oui, mais le poisson contient beaucoup de métaux lourds, on entend ça souvent, hein, ce qui est vrai, hein, mais pas tous les poissons. Hein. Il y a une différence fondamentale entre deux poissons. Il y a des poissons qui sont très riches en métaux lourds et d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont les plus riches, ce sont les poissons qui vivent le plus longtemps, qui sont gros et qui vivent dans des océans pollués et qui vivent des années et des années. Et donc, ils engorgent, ils mangent des algues ou du plancton ou d'autres poissons qui contiennent ces métaux lourds. Voilà, donc ils les accumulent. Mais le poisson qui contient le moins de métaux lourds pour le plus d'oméga-3, d'oméga 3 pour le moins de métaux lourds, c'est le saumon. Et plus encore le saumon d'élevage que le saumon naturel, le saumon sauvage. Ça peut vous paraître absurde, ça peut vous paraître contre-intuitif d'imaginer que le poisson sauvage est plus pollué que le poisson de rivière, de réserve, hein, le poisson d'élevage. Eh bien non, parce que le poisson d'élevage, par exemple le saumon d'élevage, est élevé dans des fjords de Norvège qui sont relativement protégés. Il n'y a pas énormément de bateaux qui passent par là, donc qui déchargent ou de pollution. Alors, vous allez me dire, mais si ni les protéines ni les lipides sont dangereux pour la santé, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste le troisième, le glucide. Voilà, et c'est le plus dangereux. Je dirais même que c'est le seul nutriment dangereux. Alors, je sais que cette conception et ce que je dis là ne plaît pas, bien entendu, c'est normal, aux marchands de sucre. Quand je dis que le sucre dont ils font l'apologie et le commerce est dangereux, très dangereux, le seul qui soit dangereux, bon, voilà, ça leur plaît pas et ça se comprend. Ce qui se comprend moins, que ça ne plaît pas non plus à certaines autorités sanitaires qui hésitent à s'engager sur ce sujet, tant les lobbies sont puissants, et puis surtout aussi parce que, ça aussi c'est vrai, que les industries du sucre participent de la prospérité nationale et de l'emploi, parce que ça fait travailler. Mais on pourrait faire travailler autant de personnes, si ce n'est plus, dans des emplois où on produirait du sucré, mais qui ne soit pas du sucre. Hein. C'est un peu ce que je fais, moi, personnellement. Hein. Je fais des aliments de grignotage, des biscuits, des barres, des céréales du matin, etc., mais qui sont exempts de sucre. Voilà. Donc, les glucides, de quoi s'agit-il? C'est un grand champ alimentaire. Il y a beaucoup de choses dans les glucides. Pendant toute la période où l'homme vivait dans la nature, vous savez, l'homme sauvage, le chasseur-cueilleur, comme on dit, il y avait du végétal. Hein, et il y avait que le végétal, c'était les fruits de la cueillette. Et la cueillette, c'était des feuilles, des racines, des tubercules, des fruits, des graminées sauvages. Hein, voilà. Parfois du miel animal, c'était le seul. Mais le miel, il fallait aller au péril de sa vie. Hein. Alors, il fallait en consommer beaucoup pour survivre à l'époque, parce qu'il n'y avait que ça. Et c'était les femmes qui cueillaient et les hommes qui chassaient. Alors, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans la ration alimentaire de l'homme primitif, du chasseur-cueilleur, sur 100 calories que consommait un de ces chasseurs-cueilleurs, il y avait 65% de calories qui venaient de la cueillette des femmes. Alors, c'est sûr que l'obtention de protéines était plus dangereuse, nécessitait plus d'efforts, etc. Mais quand même, hein, on parle aujourd'hui d'égalité entre les sexes. Bah, le sexe féminin chez l'homme primitif, c'était lui qui... c'était les femmes qui ramenaient 65% de la ration alimentaire. Voilà, hein, gardez ça en tête, vous les femmes, parce que quand on vous dit... Ça a fondé, comment dirais-je, la matrice
psychologique, intellectuelle, émotionnelle et instinctive de la relation entre les hommes et les femmes. Dans une relation naturelle, la femme, je ne dirais pas, est supérieure, mais dans bien des domaines, elle la porte plus que l'homme. Hein, voilà. Là, en l'occurrence, la bouffe, la nourriture, vous comprenez, la nourriture, dans un contexte où il faut manger pour survivre, non pas pour vivre, ben, la femme était l'accueilleuse. Voilà. Alors, ça, c'était moins de 200 000 ans, puisque l'origine de l'espèce humaine, c'est 200 000 ans, moins de 200 000 ans, jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a eu un moment, il y a 10 000 ans, donc les 190 000 premières années, nous avons vécu dans la nature, à poil, si j'ose dire, l'homme nu, comme on dit, et ça s'est arrêté il y a 10 000 ans. On est ce qu'on appelle le néolithique, parce que l'homme s'est sédentarisé, il a cessé de bouger, d'aller chasser, de courir après les animaux, les troupeaux d'animaux sauvages, et il s'est sédentarisé, et il a commencé à cultiver. C'est le début de l'agriculture, à peu près 10 000 ans. Hein. 10 000 ans, et c'est là où on a découvert le blé dans la culture occidentale. Et que de moins 10 000, du début du néolithique jusqu'à 1970, vous voyez, ça fait pas longtemps, hein, à peine deux générations, les hommes ont vécu en Occident grâce au blé, en Asie grâce au riz, en Amérique grâce au maïs, et cet apport était bien toléré, parce qu'on ne travaillait pas, on ne raffinait pas ces aliments, et que l'homme travaillait beaucoup de son corps physiquement. Hein. Un homme, même du Moyen-Âge, dépensait 4000, 5000 calories par jour, parce qu'il allait au champ, il marchait. Oui, 5000 calories, alors que un homme ou une femme d'aujourd'hui, ben, dépense entre 1800, 1900 et 2500 calories, hein, sauf quand il est atteint de boulimie ou de troubles du comportement alimentaire. Et là, il n'y a plus de limite. Voilà. Alors, pourquoi je parle de 1970 ? Parce que à partir de 1970, un énorme changement est apparu. Je vous en ai déjà parlé. Il y a eu, dans les années 70, une sorte de pacte occulte, bien entendu, entre l'industrie du sucre, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des produits de grignotage qui est énorme, qui est gigantesque. Il y a des géants du Kraft, des Coca, des choses comme ça. Enfin, voilà. Et pharmaceutique. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi l'agroalimentaire s'associe aux pharmaceutiques ? Je vais vous répondre, c'est simple. De la naissance jusqu'à 50 ans, on vous nourrit et on vous fait grossir, on vous donne des maladies, et à partir de 50 ans, ben, on soigne. Donc, si vous voulez, ces deux industries ont conclu un accord tacite, occulte, pour fonder une machine à sous. Hein, voilà. Et alors, comment ça s'est passé ? Ils ont diabolisé. Attendez. Parce que j'avais une citation que j'avais prise quelque part, je ne sais pas si je l'ai trouvée, mais... non, je ne l'ai pas, mais il faut que j'aille la trouver parce qu'elle est tellement importante. Allez voir. Excusez-moi, voilà, je reviens parce que j'avais oublié cette citation. Elle est tellement extraordinaire que je voudrais la citer. Donc, quand ces deux industries se sont reliées pour pouvoir monter leurs coûts, eh bien, ils ont créé une panique à propos du cholestérol, en disant « Oh, les Américains meurent plus du cholestérol que les Français, que les Italiens, que les Indiens, bon, comment ça se fait, etc. » Et ils ont dit, nous avons plus de cholestérol que les autres. Pourquoi ? Parce que nous mangeons plus de graisse. Donc on a dit, le cholestérol vient de la graisse. Le cholestérol, à l'époque,
On avait fait des études tronquées, des études bidons, des études payées, qui disaient que le cholestérol était le seul responsable des infarctus, alors que ce n'est pas vrai, aujourd'hui on y revient. Et il y a eu, bon, on ne sait pas, ça ressemble à une série américaine, hein. Il y a des conflits, il y a des trucs, il y a des zones d'ombre, il y a des... Hein, la CIA, etc. Et, bon, mais ce qu'on sait... Aujourd'hui, c'est qu'on s'est trompé. Mais peu importe. Dans les années 70, on ne savait pas. Et tout le monde a cru que les graisses étaient dangereuses parce qu'elles amenaient du cholestérol et qu'elles tuaient, etc. Les Américains en premier. Bon. Et jusqu'où ça a été, je vous lis. C'est une phrase écrite par l'American Heart Association. C'est-à-dire, c'est l'association des médecins américains de cardiologie, du cœur, des spécialistes du cœur. Et il disait, afin de se protéger du cholestérol, choisissez des encas appartenant à d'autres groupes d'aliments, comme par exemple, ça veut dire pour éviter les graisses, il vous poussait vers, comme par exemple des biscuits sucrés. Et à l'époque, il n'y avait pas de sans sucre. Hein. Les biscuits sucrés, c'était des biscuits faits avec du sucre blanc. Des crackers allégés en matière grasse. Les crackers de farine blanche, oui, mais allégés en matière grasse. Des bretzels sans sel, des bonbons, et pas des bonbons sans sucre, hein, il n'y en avait pas à l'époque, des bonbons, du sucre blanc, du sirop, du miel, de la confiture. Voilà vers quoi l'American Heart, l'association des cardiologues américains, vous poussez. C'est une association énorme, hein, qui aussi importante que la FDA, que la Food Drug Administration. C'est énorme. Et voilà comment ça s'est passé. Voilà comment des gens se sont précipités sur les sucres en se disant, eh bien, c'est bon pour nous. Alors, dès lors, on a assisté pendant 40 ans à une débauche accélérée des produits à base de glucides ultra raffinés, produits par la grande production américaine qui les exportait vers le reste du monde. C'était ce qu'on appelait, et ce qui a été à l'invasion et à l'origine de l'épidémie du surpoids, et probablement pourquoi ceux qui m'écoutent et qui sont en surpoids ou diabétiques ou obèses, la raison est là, ce sont les glucides ultra rapides qui sont produits par l'industrie agroalimentaire. Voilà. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai créé mes produits qui sont des produits sans sucre et sans farine. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte qu'est apparu l'outil dont je voulais vous parler ce soir, l'index glycémique. Dans les années 70, justement, au moment où est apparu, il y a eu quand même des nutritionnistes qui ont osé ouvrir le bec, hein, et qui ont été tout de suite frappés. Hein. Tous ceux qui parlaient étaient recyclés dans notre domaine. Donc, un chercheur californien de l'université de Stanford, Dieu sait si c'est quelque chose de a eu le courage de montrer pour la première fois que chaque glucide consommé entraîner une élévation différente de la glycémie. Bon, on l'a laissé faire parce que c'était pas terrible. Hein. Bon, on disait, bon, bah oui, vous mangez des différents glucides, mais il y a des glucides qui font monter très vite la glycémie, d'autres un peu moins vite. Et alors, ça n'avait pas d'impact sur la dangerosité de l'agroalimentaire, parce qu'on ne savait pas encore que les transformations induites par l'agroalimentaire, par l'industrie alimentaire, augmenter la vitesse d'un glucide. Mais, donc Grappa, il avait dit son petit mot, mais c'est surtout Jenkins, qui en 1980 est allé plus loin et a montré que certains aliments occasionnent une montée brutale de la glycémie dans le sang. La glycémie, c'est la concentration du sucre dans le sang, votre taux de glucose. Quand vous faites, vous avez tous fait une prise de sang et vous trouverez toujours la glycémie parce que la plus 99, même, c'est même pas, tous les appareillages
automatique de lecture du sang indique tout de suite la glycémie. Donc, il a remarqué que lorsque vous preniez, je ne sais pas si parmi vous, il y a des femmes qui ont accouché récemment, mais aux alentours du sixième mois et demi, on leur demande de faire justement un test d'hyperglycémie provoquée. On prend à peu près entre 50 et 70 grammes, selon le poids du corps, de sucre blanc dans un liquide, vous le buvez, et après, toutes les demi-heures, on pointe le niveau de la glycémie. On fait une prise de sang, une demi-heure. D'abord, on l'a fait avant, pour savoir quelle est votre glycémie à jeun. Puis après, vous prenez votre sucre, et on vous fait une prise de sang, une demi-heure après, une heure et demie après, une heure et demie après, deux heures après. Et là, on suit la trajectoire de la glycémie dans le sang, de la montée du sucre dans le sang. Suivez-moi bien, c'est important. Donc, on voit qu'il y a une montée rapide, très rapide, parce que le sucre est tellement rapidement métabolisé, surtout le sucre blanc, hein, il passe dans le sang à une vitesse grand V, surtout si vous êtes à jeun, et on voit le pic. Et il arrive un moment, si vous voulez, où le glucose s'arrête de monter. Alors on se dit pourquoi? Eh bien, parce que devant cette ascension rapide du glucose dans le sang, glucose qui est très dangereux, je vous l'ai dit qu'à 5 grammes, on pouvait en mourir, à 7 grammes, vous pouvez faire un coma diabétique. Donc, voyant ce sucre monter si vite, le pancréas envoie une libération, un lâcher d'insuline, et cette insuline stoppe la montée du sucre dans le sang, et là, progressivement, il y a descente, et on retourne vers zéro, enfin, pas vers zéro, on descend vers 1 gramme, et en général, on le dépasse. On arrive à 0,8, à 0,7, ça dépend des gens, et puis on revient à la normale tout doucement. Voilà. Donc, il y a un pic et une descente. Bon, et c'est sur ce pic et cette descente qu'on calcule l'index glycémique. Plus l'index glycémique est long à réintégrer la normale, plus on dit, et plus il monte, plus on dit que ce pic, que cet index glycémique est élevé. Et donc, c'est la vitesse de pénétration d'un aliment que vous mettez dans la bouche jusqu'à son arrivée dans le sang que mesure l'index glycémique ainsi que sa longue élimination par le pancréas. Alors, quand vous avez un pancréas qui est fort, qui est sain et qui est robuste, etc., eh ben, ça descend très vite. Et lorsque vous êtes diabétique, eh ben, ça descend lentement. D'abord, ça monte très haut, parce que le pancréas est fatigué, donc il fait mal son travail, hein, il est endormi, alors il faut le réveiller, alors qu'un bon pancréas, c'est immédiat, tchac, immédiatement une libération, et ça ne monte pas très haut. Voilà. Alors, oui, c'est ça que je voulais vous demander. Pourquoi et en quoi la connaissance de cette notion d'index glycémique peut vous intéresser, vous qui m'écoutez, hein, vous qui m'écoutez, peut-être que index glycémique, hein, vous dites, non, ça peut vous intéresser. Hein. Alors pourquoi? Prenons un glucide qui est long à digérer. Prenons par exemple des légumes, prenons du son d'avoine, prenons des lentilles. C'est long à passer dans le sang. C'est pour ça qu'on les appelle des glucides lents. Ils arrivent lentement, c'est comme une sorte de goutte à goutte. Vous savez, quand on vous fait un goutte à goutte de sucre, ça arrive dans le sang très, 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 très lentement. Ça, c'est une chose. En même temps, indépendamment du fait que vous mangez ou que vous ne mangez pas des sucres, en même temps, et en permanence, 24 heures sur 24, vous êtes composé de milliers, de millions, de milliards de cellules. Votre corps n'est fait que de toutes petites cellules, mais tellement petites, des milliards de milliards, voilà. Hein. Dans cette main, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, 200 milliards. Hein. Je ne sais pas, je n'ai pas dit, mais c'est énorme. Voilà. Donc, toutes ces petites cellules, elles vivent. Ce sont des petites usines qui consomment de l'énergie et que vous mangiez ou que vous ne mangiez pas, elles vivent. Et quand elles n'ont pas, donc elles pompent dans le sang, des petites prises, parce que le sang circule partout, et ces petites cellules... comme des petits oiseaux, elles picorent, elles prennent un petit peu, elles se nourrissent de glucides de préférence quand il y en a. Elles prennent ce glucide, ces glucides, et tout doucement, si vous voulez, elles en consomment.
parce qu'elles sont des milliards, des centaines, des milliers de milliards, des millions de milliards. Donc elles consomment même des petites quantités, mais lorsque vous multipliez par ce nombre, ça en fait. Il y a une consommation régulière. Hein. C'est comme quand vous avez chez vous, vous allumez vos lumières, et vous allez au compteur et vous voyez le compteur, enfin vous voyez avant, on voyait le compteur tourner, parce qu'on se disait, ben, vous consommez. Mais c'est la même chose, ces cellules consomment, et l'ensemble de ces cellules se répercute sur la consommation, sur la quantité de sucre qu'il y a dans le sang. Donc, il y a une lutte entre ce que vous mettez en bouche, ce que vous apportez, et ce que ces milliards de cellules dépensent. Alors, quand le sang, quand les glucides arrivent lentement, eh ben, les milliards de cellules consomment presque la même chose. Ce qui fait que s'il en passe un peu dans le sang, hein, si ce n'est pas à égalité, il y en a un petit peu qui passe dans le sang, mais peu, et le pancréas n'a pas besoin de travailler beaucoup. Mais lorsqu'elles arrivent en masse, hein, lorsque vous prenez des sucres rapides et que vous en prenez beaucoup, elles arrivent par wagon, et là dans le sang, ben, le sucre monte, et là, le pancréas est obligé de se réveiller et de larguer de l'insuline, et c'est cette insuline qui vous fait grossir. Pourquoi elle vous fait grossir? Parce qu'elle prend les sucres et elle les transforme en graisse. Elle a tellement peur du sucre et elle aime tellement la graisse qu'elle prend le sucre avec avidité et le transforme en graisse. Et vous, ben, quand elle le transforme en graisse, vous grossissez. Chaque fois que un gramme de sucre est transformé en un gramme de graisse, vous avez pris un gramme. Et quand il y en a 1000, ben, ça fait que vous avez pris un kilo. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui est importante à savoir. Ainsi, mais en revanche, quand vous mangez, par exemple, des lentilles, des légumes, des fruits, du son d'avoine, la glycémie monte peu et lentement, et le pancréas libère peu d'insuline, ne se fatigue pas, et vous ne grossissez pas. Alors, on appelle ces glucides progressifs, qui ne se transforment pas en graisse, des glucides à indice glycémique bas. Alors que les autres, les rapides, ont un index glycémique haut. Si vous consommez, par exemple, un bol de cornflakes, ce qui fait partie des sucres les plus rapides qui soient, ou bien du pain de mie, surtout sucré, ou du coca plein, hein, du coca sucré, pas le coca light, ou de la purée de pommes de terre en flocons, ou des frites. Ces glucides sont décomposés par la digestion, mais très rapidement, ils arrivent dans le sang en convoi groupé, par wagon, et la concentration du sucre augmente très vite, parce qu'il y a accumulation. La consommation des cellules du corps, elle fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas aller plus vite que la musique. Et donc, il y a accumulation dans le sang. Cette montée est dangereuse. Le pancréas libère de l'insuline. L'insuline transforme le sucre en graisse et vous grossissez. Et surtout, si ça dure, si vous faites ça longtemps et régulièrement, si vous êtes un consommateur de pâtes bien cuites, par exemple, tous les jours, ou que vous êtes un enfant qui prenait des cornflakes tous les matins, et bien progressivement, vous prenez du poids. Pour moi, tout le problème, écoutez-moi bien, pour moi, tout le problème du surpoids, de l'obésité, du diabète, est lié à ce mécanisme. Quiconque est en surpoids, ou diabétique, ou obèse, qui s'arrête de consommer ses sucres à libération rapide, maigrira et verra son diabète guérir. On peut guérir du diabète simplement en arrêtant de consommer ces sucres trop rapides. Alors maintenant que vous savez comment est né l'index glycémique, sur quelle base il fonctionne, il faut arriver à rentrer en pratique. Comment tout cela peut vous servir? Disons que l'index glycémique est compris entre 0 et 100. Il n'y a rien en dessous de 0 et il n'y a pratiquement rien au-dessus de 100. 0, ce sont les aliments qui ne contiennent pas de glucides. C'est l'eau, c'est la viande de bœuf, il n'y a pratiquement pas de glucides. Le poisson, l'huile, le beurre, le konjac, hein, il est pratiquement à 0. Et 100, à l'autre bout, c'est le glucose, c'est le sucre humain. C'est le sucre qu'il y a dans le sang humain. Si vous consommez du glucose pur, il y en a dans certains bonbons, il passe ultra massivement, c'est lui qui passe le plus vite dans le sang, et entre les deux, entre 0 de la viande de bœuf et 100
du glucose, eh ben, il y a toute la gamme des aliments. Et c'est maintenant dans ce petit voyage que je vais vous entraîner, entre 0 et 100. Alors 0, il y a l'eau, hein. Il y a les protéines, voilà. Et puis les lipides purs, comme l'huile, le beurre et le konjac. Voilà. Ces aliments, il n'y en a pas beaucoup, qui sont à 0. À 15, ce sont tous les légumes verts. Les choux fleurs, la choucroute, les choux de Bruxelles, les brocolis. Tous ces aliments sont à 15. Il y a aussi toutes les salades vertes, les laitues, les endives. Ça aussi, c'est à 15. Les poireaux, les courgettes, les épinards, tout cela est à 15. Les poivrons, le fenouil, la rhubarbe, oui, la rhubarbe. Hein, 15. Champignons, les oignons, à 15. Mais il y a aussi les noix. Ah oui, les noix, oh, les noix, c'est riche. Oui, c'est riche, bien sûr, c'est riche en graisse. Mais il n'y a pas de glucides. C'est pratiquement, il y a très, très, très peu de glucides. Il y a quelque chose qui peut vous intéresser, c'est la farine de lupin. C'est un céréal, hein, le lupin, et avec lequel on peut justement faire des pâtisseries. Elle est un index glycémique très bas, semblable à celui du son d'avoine. Il a d'autres intérêts, hein. Ça n'a pas les caractéristiques du son d'avoine, ça n'est pas absorbant, ça n'est pas visqueux, donc ça n'a pas les caractéristiques sur lesquelles... Mais la farine de lupin, vous pouvez vous en servir pour faire des gâteaux, pour les ajouter dans du pain, dans des choses comme ça. Vous pouvez en faire beaucoup de choses. Il y a aussi les oignons, il y a le concombre, il y a l'asperge. Vous voyez, tout cela est à 15. C'est pratiquement ce qu'on peut faire de plus bas. Mais dans ces légumes, il n'y a pratiquement que des glucides, mais des glucides ultra lents. C'est pour ça que je vous dis, il y a des glucides qui sont extraordinaires. Dieu sait si j'aime les légumes, si je les défends, mais ce sont des glucides. Je défends les glucides très lents, mais je mets à haut risque les aliments à index glycémique très rapide. Alors, on en a fini avec le 15, on passe maintenant au 20. Alors, dans le 20, il y a l'aubergine. L'aubergine est déjà un peu plus, hein, elle est déjà un peu plus consistante, il y a un peu plus, c'est plus concentré, voilà. Ben, vous savez, c'est pratiquement, il y a la ratatouille, il y a les cœurs de palmier, il y a l'artichaut. L'artichaut, ça dépend des artichauts. Hein. Mais disons entre 20, 30 ou 40 même. Alors, on est à 25 maintenant. Et grande nouvelle, vous savez qui est le premier de ces aliments à 25? C'est le chocolat noir qui contient plus de 70% de cacao. Vous vous rendez compte? Le chocolat noir à 25. Il y a les framboises. Il y a les fraises, les cerises, les groseilles, ce sont les fruits qui contiennent des sucres les plus lents. Il y a les lentilles vertes, les vertes. Il y a les flageolets, les haricots blancs. Il y a les baies de goji. Vous voyez ? Alors, à partir de là, on entre dans le groupe des 30. Hein, on a fait 0, 15, 20, 25, nous voilà dans les 30. Dans les 30, il y a les poires, il y a les lentilles jaunes, alors que les lentilles vertes étaient à 25. Les jaunes sont à 30. Vous voyez, il y a une différence dans la texture végétale de ces lentilles, pourtant elles sont apparentées, mais la texture des lentilles jaunes ou brunes est beaucoup plus... souple, ce qui fait que le corps va les absorber un peu plus facilement. Entre 25 et 30, il y a une différence, on n'est pas dans les 80, 90, 100. Voilà. Il y a les pamplemousses qui passent un peu plus vite que les fraises. Il y a le lait de soja, ça c'est important pour vous. Le lait de soja est à 30, alors que le lait de vache est supérieur. Il y a les haricots verts, c'est surprenant les haricots verts, on croirait que ce sont les plus légers, mais dans les haricots verts, il y a des petites fèves à l'intérieur. Et c'est celles-là qui contiennent les sucres les plus rapides. Il y a les pois chiches, il y a les tomates, alors que les tomates sont à 30, alors que le jus de tomate est à 35. Vous voyez, dès qu'on commence à presser les tomates, on leur enlève, on leur ajoute un peu de vitesse. Il y a les carottes crues, hein, alors que les carottes cuites, c'est tout à fait autre chose. Les carottes cuites, c'est dans les 75, 70, 80, c'est beaucoup, hein, alors que les crues sont à 30.
Et on fasse maintenant au 35, un degré de plus. Pas énorme, enfin 35, petit à petit, ça monte. En 35, nous avons les petits pois. Il y a les pois chiches en farine. Alors que les pois chiches naturels sont à 30, lorsqu'ils passent en farine, ils sont à 35. Vous voyez, je voudrais vous sensibiliser à ça. À chaque fois qu'on triture un aliment, eh ben, on augmente sa vitesse de pénétration dans le sang et on augmente son index glycémique. En matière de fruits, il y a les brugnons, il y a les nectarines qui sont à 35 et on voit apparaître le premier riz sauvage. Alors le riz sauvage, c'est pas tout à fait du riz, mais enfin on l'appelle du riz sauvage. C'est l'index le plus bas de tous les riz. Il est à 35. Il y a les vasafibres. Je vous parle souvent des vasafibres parce que ils ne sont qu'à 35. Hein. C'est les premiers céréales qui sont à 35. Il y a les haricots rouges et les haricots noirs qui sont à 35. La pomme, comme la poire. Non, la poire est à 30. La pomme est à 35. Un peu plus rapide, un tout petit peu plus. Et les oranges aussi sont à 35. Le jus de tomate, je vous l'ai dit, est à 35, alors que la tomate est à 30. Le quinoa est à 35. Le yaourt nature est à 35. Il est à 35 parce qu'il y a un peu de lactose. Hein, donc, c'est pour ça que je vous demande parfois de réduire. Comme je vous ai toujours dit que vous avez droit, que les laitages faisaient partie des aliments libres et qu'on pouvait... Excusez-moi, j'ai un petit coup de fatigue. Hein, comme je vous ai dit que les laitages sont libres, mais que lorsqu'on est en stagnation, il faut les réduire, c'est parce que justement, il y a du lactose dans les laitages. Alors, les spaghettis intégrales, cuits al dente, sont à 40. Le pain intégral, 100% intégral, hein, au levain pur, est à 40. Les pâtes intégrales, oui, je vous l'ai dit, sont à 40. Et maintenant, on passe au 45. Vous voyez, petit à petit, on monte des marches. Alors, 45. Premier, riz basmati complet. Le riz basmati, c'est, de mon point de vue, l'un des meilleurs riz. Le riz sauvage est à 35, mais les botanistes disent que ce n'est pas du vrai riz. Hein. C'est quelque chose qui ressemble à du riz. Mais le premier de tous les riz qui possède l'index glycémique le plus bas, c'est le riz basmati. Et il est bon, le basmati. Hein. Il y a aussi le blé intégral, le blé qui donne de la farine intégrale, c'est-à-dire le blé avec son enveloppe, avec le son qui l'entoure, avec sa tige, avec tout ça. C'est pour ça qu'il est à 45. Le boulgourt cuit est à 45. Le couscous intégral, la semoule intégrale, hein, est à 45. Pas le couscous normal, l'intégrale. Et le grain de blé ébli, hein, vous connaissez ces petits grains, c'est du 45. Et on en a fini avec le 45. Et on arrive à la médiane entre 0 et 100, qui est 50. Et 50, vous avez des macaronis au blé dur. Dur. Couscous, semoule complète, est à 50. Alors que le couscous intégral et la semoule intégrale est à 45. Vous voyez, dès l'instant où on passe du complet, de l'intégral au complet, eh ben, c'est pas la même chose. Hein, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le complet, c'est du blanc auquel on a ajouté du son. Donc c'est pas la même chose que l'intégral. L'intégral, c'est le complet. C'est l'immédiat. Et puis, toujours dans le 50, il y a les pâtes complètes au blé entier. 50. Le sarrasin, 50. Le riz complet, le brun, est à 50. Les vasas légers sont à 50, alors que les vasas fibres étaient à 35. Ne vous laissez pas tromper. Quand vous êtes en grande surface et que vous voyez vasas légers, vous vous dites, je vais prendre du vasas léger. C'est probablement celui qui me dérange le moins. Non, pas du tout. Le vasa léger, ben, il pénètre parce qu'il y a beaucoup moins de fibres. Hein. Il est léger en fibres. Voilà. Le whole bran est à 50. Les patates douces sont à 50, alors que les pommes de terre sont beaucoup plus élevées. Les patates douces sont mieux que les patates, que les pommes de terre. Le riz basmati long est un peu plus
l'index glycémique un peu plus élevé. Il est à 50. Alors que le riz basmati complet est à 45. Et voilà pour les 50. Et maintenant, on passe à 55. Alors à 55, on est déjà dans la deuxième moitié de l'index glycémique. Et là, on est avec les spaghettis blancs bien cuits, pas al dente. Il y a des spaghettis intégrales al dente qui sont à 40, complets à 50, spaghettis bien cuits 55, et vous verrez que les nouilles au blé tendre montent jusqu'à 70. Donc, vous voyez, entre 40 et 70, en fonction du degré d'association à des fibres et du degré de cuisson. Alors, le ketchup est à 55, pas le mien, hein, parce que dans le ketchup, il y a du sucre. Le boulgour cuit monte à 55, le miel est à 60. Là, on commence à passer, on a franchi les 55, on est déjà à 60, et on est dans le miel. La crème glacée classique sucrée est à 60. Les bananes mûres sont à 60. Vous voyez, banane, c'est un fruit qui a un indice glycémique relativement élevé. 60, on est déjà dans une gamme de produits qui sont élevés. Et on passe à 65. 65, on est dans la pomme de terre cuite dans sa peau, dans l'eau ou à la vapeur. Dans sa peau, on ne l'a pas trop trituré, on ne l'a pas trop. Il est à 65. Et vous verrez que lorsqu'on commence à faire des purées et des flocons, ça va beaucoup plus vite. Couscous, semoule, le normal est à 65. Le pain au seigle, à 30% de seigle seulement, hein, est à 65. Le sorbet sucré est à 65. Les raisins secs sont à 65. Le maïs en grain est à 65. Le pain complet à 65. Et nous voilà parvenus à 70. Là, on est chez les méchants. Hein. Alors, les croissants sont à 70. Les boissons, les sodas, hein, sont à 70. Le coca, hein, le coca normal, il est à 70, mais on en boit beaucoup. Et comme il est sous forme de boisson, il arrive encore plus vite dans le sang. Les boissons gazeuses, les sodas, donc je vous ai dit, sont à 70. Les chips sont à 70. Les pommes de terre pelées, bouillie et pelée monte à 70. La brioche est à 70. La baguette de pain blanc, la baguette est à 70. Vous voyez, la baguette, c'est quand même quelque chose qui va vite. Hein. Parce que vous mangez une demi-baguette, vous voyez le sucre monter, le diabète dangereux, etc. Les spécial cas, hein, les céréales spécial cas, qui sont présentées dans toutes les publicités comme étant les spécial cas, font maigrir, etc., ben, sont à 70. Les biscuits traditionnels, les gerblés, etc., sont à 70. Les biscottes, elles aussi, sont à 70. Les nouilles au blé tendre, le blé tendre, justement, le fait qu'il soit... La différence entre le blé dur et le blé tendre, c'est que le blé tendre, il n'y a pas besoin de faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour le transformer en farine, hein, et pour l'assimiler. Les gnocchis sont à 70. Ah, les gnocchis sont faits avec de la purée de pommes de terre. Les barres chocolatées sucrées sont à 70. Le riz, pas les miennes, hein, attention. Le riz standard blanc est à 70. Le riz normal, hein, ce que vous avez lorsque vous allez chez le chinois. Attention, le riz gluant est beaucoup plus élevé encore. Le sucre blanc, le carré de sucre blanc qu'on met dans le café est à 70. Mais il y a plus que 70. On passe à 85. Le gâteau de riz, hein, vous savez, les soufflés de riz, vous savez, ces galettes soufflées qu'on vous présente comme étant allégées. Oui, c'est léger parce que c'est bourré d'air. Mais c'est à 85. Ça, ben c'est normal. Quand on souffle un aliment, on le détruit, on lui enlève toute sa fibre. Le riz à cuisson rapide, c'est un riz pré-cuit, on est aussi dans du 85. Le pain de mie très blanc est à 85. La farine de blé blanche est à 85, alors que la farine de lupin était à 15. Le pop-corn sans sucre est à 85. Le riz soufflé, les galettes de riz soufflé, vous savez, c'est ça dont je vous parlais, 85. Vous vous rendez compte?
vous voyez ça dans les rayons, vous dites ah, formidable, c'est formidable pour. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de calories parce que c'est que de l'air. Mais quand vous mangez ça, ça arrive dans le sang à une vitesse exceptionnelle. Si vous mettez un peu de confiture dessus. Et nous voilà à 90. Nous nous approchons des flammes de l'enfer. 90, pommes de terre en flocons instantanés. Parce que vous vous êtes dit, oh, je vais faire une purée pour mon fils ou ma fille, je suis pressé, je vais acheter des pommes de terre en flocons, je vais faire une purée instantanée. Vous êtes à 90, pas vous, votre enfant. Pain blanc sans gluten, 90. Ah, vous dites, attends, le pain avec gluten, ben oui, c'est normal. Le gluten, c'est les protéines. Donc quand vous enlevez les protéines du pain, ou des biscuits, ou de ce que vous voulez, quand vous voyez sans gluten, sans gluten, sans gluten, ben, c'est pire. Le sans gluten fait grossir davantage que le avec gluten. Et oui, c'est marchand de sucre. Cornflakes, flocons de maïs, 90. Et nous voilà arrivés à 95. On est à la frontière. Pommes de terre frites, 95. Pommes de terre au four. Four, ça abîme, ça détruit la table. 95. Et nous voilà arrivés à 100, qui est le glucose. Alors, le glucose, vous allez me dire, on n'en prend pas beaucoup, hein. Si, il y en a quand même dans les aliments qu'on ajoute, les industriels ajoutent du glucose. Il y en a dans les bonbons, il y en a dans certains, oui, dans certains gâteaux, dans certaines pâtisseries, ils ajoutent du glucose. Pourquoi? On ajoute du glucose parce que ça a un effet addictif. Le glucose, ça arrive au cerveau à une vitesse accélérée, ça agit sur les centres de la récompense. Et vous avez un mouvement d'exaltation. Alors, on se dit, on est arrivé, on est au garage. Eh bien, on n'y est pas. Il y a plus que sang, il y a plus que glucose, c'est la bière. La bière, voilà. Hein? Et si en Allemagne, il y a beaucoup de personnes en surpoids, c'est parce qu'il y a beaucoup de bière et beaucoup de pommes de terre. Voilà, mes amis. Eh bien, j'ai terminé avec ça. Hein? L'index glycémique, c'est pas rien. C'est pas rien. Et j'espère que vous allez. Je ferai un petit livret, hein? Une flèche avec de 0 à 100. Et peut-être que je vous l'enverrai. Hein? Vous ferez ça comme les livres des tolérés. Je suis en train de finir le toléré, en américain ou en anglais. Voilà. Alors maintenant, à nous, on va parler des questions. Je vais vous répondre. Oh là, il y a du monde. Leila Sterk. Bonsoir du Kenya, docteur. Magnifique, Leila. Je suis content. Brigitte Noroy Prata. Ravie de vous revoir. Eh bien, moi aussi, Brigitte, je suis ravie. Frédérica Carafa est là. Bonjour, Frédérica. Il y a quelqu'un qui me parle en grec. Odia. Eh bien, Avlo ou Avla. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne parle pas. Cybèle Démir. Bonsoir, docteur Ducamp. Bonsoir, Cybèle. Federica Carafa. Oui, vous m'avez dit que vous êtes là. Bonsoir, bonsoir, Federica. La Orca, Stéphancio et Evelyne Cagelot participent. Cagelot. Evelyne Cagelot. Madame Bisou, qu'est-ce que je vous adore, vous. Viviane Fernanda Garcia. Boa tarde, doutora. Bonsoir, Viviane. Je suis content de vous voir. Dominique da Silva Cruz. Bonsoir, docteur. Evelyne Cagelot, allez voilà les gros bisous, j'avais peur qu'il ne soit pas là. Donc, voilà. Dominique da Silva, bonsoir. Evelyne Cagelot, gros bisous. Viviane Fernanda Garcia m'envoie des petits cœurs avec. C'est quoi ça? Et où tambem estume mantendo desde Janeiro. Ah, vous êtes à Rio de Janeiro. Eh bien, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Louisa Bagarotto. Vous êtes là, Louisa. Il y a Laetitia Leffel. Laetitia, how are you? Nice to be with me. Natalia Chubeka, bonsoir. Bonsoir, Natalia. Louisa Bagarotto, bonsoir. Quelle est une correcte subdivision entre protéines, graisses, carbohydrates en stabilisation, en pourcentage? En stabilisation, normalement, Louisa, tout est autorisé. Tout est autorisé, mais
gardons en tête que les glucides sont dangereux, et surtout les glucides rapides. Hein. Donc, les graisses, il n'en faut pas trop pendant la stabilisation, parce que comme il y a de tout, et qu'il y a même des glucides, puisqu'on a le droit aux glucides, hein, des glucides lents, etc., ça fait mauvais ménage. C'est pour ça que je suis contre les régimes, enfin contre, je suis pas trop pour le régime céto, hein, ou le régime paléo, qui sont, à mon sens, trop riches en graisse. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas d'impact sur l'amaigrissement. On maigrit assez bien avec des graisses, mais le danger, c'est que pendant qu'on maigrit, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, qu'on maigrit, on s'habitue à manger des graisses et on s'habitue à les considérer comme des amis. Ce qui fait que lorsqu'on se retrouve en stabilisation et qu'on a pris l'habitude de les considérer comme des amis, eh bien, on continue d'en manger. Donc, des protéines autant que vous voulez, des légumes autant que vous voulez, autant que vous pouvez, même parce que plus vous mangez de légumes en stabilisation, et plus vous avez des chances de vous stabiliser. Voilà. Et donc, la seule restriction, ce sont les glucides rapides. Les glucides au-dessus de 50 sont à réguler, à réduire entre 50 et 70, et à partir de 70, le moins possible. Alors, l'ail-mel, c'est une langue que je ne comprends pas. C'est une langue bizarre, je ne sais pas ce que c'est. L'ail-mel, try to write me in English, please. If not, I cannot answer before tomorrow or this night, because I have not the translator. Yoana Fragaki. Bonsoir, docteur. Je suis vert régime, mais je n'arrive pas à perdre. Et le poids, je mange trop, je fais la cuisine beaucoup, je reste à la maison, je ne sors pas beaucoup. S'il vous plaît, donnez-moi un bon conseil. Voilà, alors, Laetitia, si vous avez un problème, ça m'est difficile. D'abord, je ne comprends pas ce que vous avez, hein. Je ne sais pas qui vous êtes. Bon, Laetitia, je sais que vous êtes une femme, mais je ne connais pas votre taille, je ne connais pas votre poids, je ne connais pas votre âge. Je ne sais pas si vous êtes sucré ou salé, si vous avez des enfants, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre là, mais j'ai votre réponse. Donc, si vous venez dans le groupe, je vous conseille de venir dans le groupe, ou si vous venez même en message privé, je pourrai vous répondre et vous guider très très bien, hein, et je peux vous assurer que vous allez réussir à maigrir. Il n'y a pas de problème. Laetitia, alors maintenant, Mallory Claire est là. Bonjour Mallory. Jen Jen, bonsoir docteur. Jen Jen, moi je dirais j'aime. Alors, sur les groupes, beaucoup disent qu'il faut respecter un certain pourcentage de protéines. Qu'en est-il? Ah! Voilà une question fabuleuse. Ça ne m'étonne pas de Jen Jen. Elle pose toujours des bonnes questions. Elle est toujours bienveillante. Je vous adore, Jen Jen, parce que vous êtes bienveillante. Vous avez un ton, vous avez une manière d'être qui me plaise. Bon, alors, j'entends sur les groupes. Parce que dans mon groupe, il y a des groupes qui viennent de partout. Et alors chacun a sa vérité. Enfin, non, j'exagère. Il y a une vérité commune, mais il y a des petites efflorescences et parfois il y a des petites erreurs d'interprétation. Alors, sur ce fameux gramme de protéines par jour, je vous ai dit tout à l'heure déjà que la viande et les protéines, le poisson et les protéines, ne sont pas les mêmes niveaux. Et j'entends dire qu'il faut manger 1 gramme de protéines par jour. Ça voudrait dire que si on en mange plus, c'est trop. Ce n'est pas vrai. Le gramme de protéines, c'est le minimum vital. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, il faut que vous ayez au moins 1 gramme de protéines. Si vous n'avez pas 1 gramme de protéines, eh bien, vous avez du mal à reproduire vos globules rouges, vous avez du mal à entretenir votre masse musculaire, vous avez du mal à faire en sorte que votre peau soit belle, vous avez du mal à voir vos cheveux pousser, vous avez du mal à mémoriser, parce que je vous l'ai déjà dit, mais ce que je vous dis là actuellement, ça rentre dans votre cerveau sur une mémoire qui est dite électrique. Tant que vous n'allez pas dormir, c'est électrique. Et dès l'instant où vous dormez, cette mémoire électrique devient de la mémoire chimique et ça devient des protéines.
Donc si vous n'avez pas de protéines, vous n'avez pas une bonne mémoire, vous n'avez pas de bons os, vous n'avez pas de bons muscles, vous n'avez pas de fabrication d'hormones. Donc il faut à tout prix. Donc le gramme de protéines, c'est un gramme minimum. Alors jusqu'où on peut aller? On peut aller à 2 grammes, on peut aller à 3 grammes par jour. Et je vous l'ai dit, les grammes de protéines ne sont pas les grammes de viande ou de poisson. Voilà. Alors, Raquel, Andrea Matos. Bonjour Raquel. Je vous fais un gros bisou. Bonjour, je t'ai posé une question aujourd'hui sur ton poste de train. Je n'ai pas eu l'occasion de lire les postes du train, je vais le faire ce soir ou dans la demi-heure qui suit. En ce qui concerne les carottes, les betteraves ne peut-on être consommées que crues ou peut-être aussi cuites? Par exemple, faire un gâteau aux carottes. Écoutez, Raquel, les carottes, lorsqu'elles sont cuites, elles acquièrent un index glycémique très élevé. On peut en faire un peu, hein, s'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas grave. Mais s'il y en a plus de 20 ou 30 grammes, je ne vous conseille pas. Alors, vous pouvez en ajouter dans un gâteau aux carottes, mais pas trop. Vraiment le minimum. Cru, il n'y a pas de problème. Louisa, encore une petite chose. En protéines et légumes, quelle est la correcte subdivision entre protéines et légumes? Le rapport doit être 50-50 ou les protéines doivent en tout cas prévaloir? Merci beaucoup. Non, Louisa, les protéines autant que vous voulez. Les légumes, autant que vous pouvez. Donc, il n'y a aucune limitation. Vous mangez tout ce que vous voulez de protéines et de légumes. Et peut-être plus encore de légumes que de protéines. Voilà. Hein, Louisa, vous êtes pour les... Attendez, laissez-moi voir votre profil. Ah oui, je vois qui vous êtes. Ah, vous êtes... Ah, vous avez étudié à Trieste. Bon, d'accord. Amanda l'ermite, bonjour monsieur, je vous admire beaucoup. Oh là là, laissez-moi. Oh, que vous êtes belle. Je regarde, est-ce que c'est vous qui êtes sur votre profil avec ce petit nez et qui tirez la langue? Mais n'empêche que vous êtes une jolie femme. Bon, alors, merci. Alors, maintenant, Agnieszka est là. Alice Focini est là. Claude Salomon, hey, un homme, est là. Séverine Assayag, merci pour tout, vous êtes le meilleur. Merci Séverine. Shadia Asnain, Asanain. Bon, salut docteur, salut Shadia. C'est joli Shadia. Faites voir votre profil que je regarde un peu. Ah, ah oui, d'accord, vous êtes égyptienne, d'accord. Steven Sanchez, encore un homme, il y a des hommes ici. Bonjour docteur, alors qu'est-ce que vous dites, vous, sur votre page? Vous dites, ah, une phrase de Churchill, le succès est d'avancer d'échec en échec sans perdre l'enthousiasme. Vous avancez d'échec en échec, bon, d'accord, je veux bien, mais moi, je ne suis pas trop d'accord. Luciana Pimentel, bonjour Luciana. Georgia Tess, bonjour docteur. Nathalie Bernardet, ah, ma chère Nathalie, qui fait de si belles choses. Toujours présente, toujours présente. Zora Guala. Faites voir Zora. Oh, Zora, vous avez des photos de folie. Brazalizide, vous habitez à Marseille. Bon, alors, Ruth Rodriguez. Bonjour Ruth, et vous me dites merci. Merci de quoi? Alexandra, une grecque. Eh bien, Alexandra, merci de participer. Zora Guala. Zora Guala. Docteur, vous êtes fatigué, reposez-vous là, comme c'est gentil. Non, j'ai eu un petit coup de fatigue, c'est vrai, les journées sont tellement longues, si vous saviez tout ce que j'ai à faire. Si vous saviez, vous ne pouvez pas imaginer. Rima Yassine, bonsoir docteur, je suis dans la phase 4. Oh, génial, si vous êtes dans la phase 4, c'est que vous avez fait la phase 1, c'est que vous avez fait la phase 2, c'est que vous avez fait la phase 3. Je voulais vous demander, quelle est la quantité de beurre autorisée dans cette phase? Ben, écoutez, Rima, pour vous dire la vérité, vous êtes dans une phase où on est libre. Du beurre, vous en mettez comme vous voulez. Bon, si vous prenez une livre de beurre à chaque fois, c'est beaucoup. Mais si vous en prenez un peu du beurre, normalement, si vous en mettez dans votre alimentation, moi, je ne vois pas de raison de vous interdire. Hein. Et les glucides rapides, oui. Mais le beurre, non, vous pouvez en mettre. Hein. Par contre, si vous faites du couscous au beurre, alors là... le danger, c'est plus le couscous que le beurre. Sheridan Ibrahim. Ah, Sheridan, how are you? Good afternoon, docteur.
And I am on step two until now. Okay, Shirian, does not lose any. I am on 54. 54 is okay. Fatma Naman, bonsoir docteur. Bonsoir Fatma. Oh, tous ces gosses sont à vous? Attendez, que je les compte. Que je les compte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous ne me dites pas que ces 8 enfants sont à vous. Anne-Laure, bonsoir Anne-Laure. Vanessa Murat, vous êtes là. Sandy Schultz-Leibov, hello doctor. It's Sandy here. Thank you for having such a wonderful diet. Not only is my weight better, but my health is terrific. Sandy! Alors Sandy me dit que non seulement elle est contente d'avoir maigri, mais que sa santé est extra. Eh bien, je suis content. Je suis très content. Je vois votre photo avec votre mari. Un beau couple, beau couple. Emma, Martine, Dana. Vous êtes là, Dana. Emma. Emma, c'est Emma, je la connais, Emma. Hein? C'est le bouillon d'Emma. Sandy, are you going to have English live anytime? Yes, I will do. I think I will do next week or the week after, but very soon. Louisa, il y a des filles dans mon groupe qui demandent si elles peuvent substituer le son de la voix de la farine d'avoine. Elles sont intolérantes à la première. Non, Louisa, la farine d'avoine, c'est comme la farine de blé. Non, si elles veulent, elles peuvent prendre du son de blé. Hein? D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi elles seraient intolérantes au son d'avoine. Elles ont essayé, si elles sont intolérantes, bon. Non, elles peuvent prendre du son de riz. Elles peuvent prendre un autre son, mais pas de la farine d'avoine. La farine d'avoine, c'est le grain d'avoine. Et le son, c'est l'enveloppe. C'est complètement différent. Moi, je sais que ce n'est pas du tout la même chose, mais donnez votre conseil. Le conseil, c'est non. Pas de farine d'avoine. Si elles veulent de la farine, elles prennent de la farine de lupin. Lupine. Natacha Reich. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Natacha. Mikaela von Soltikov, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cœurs. Mais Mikaela est fantastique. Vous êtes une femme de cœur. Cinzia Sferazzo, la seule diète régime qui a fonctionné. Merci beaucoup. Merci à vous. Laissez-moi voir, Cinzia. Ah, je regarde. Oui, oh, c'est joli votre profil. Mamat Adem Adouma, bonsoir à vous tous. Bonsoir, Mama. D'accord. Daniela Macari. In base d'indice glycémico, perché aceto la maïzena e non la fecola de riso, che è un indice più basso? C'est une bonne question, Daniela. Pour moi, c'est à peu près la même chose. Hein, mais peut-être c'est plus facile. Et puis, j'ai commencé avec ça. Et puis, j'ai pas voulu changer parce que c'est plus facile à travailler. Hein, ça a un meilleur goût dans les gâteaux. Natacha Reich, docteur Ducamp, est-ce que l'on peut mettre de l'anthésite dans l'eau pour faciliter la prise d'eau? Oui, vous pouvez. Pas trop, hein, parce que si on en prend trop, ça fait monter un petit peu la tension. Mais bon, il faut pas en prendre beaucoup. Quelques gouttes, aucun problème. Hein. Eve Andres, bonsoir. Carmen Ossu est là. Sherianne, good afternoon, doctor. How are you? I wish you are fine. I'm now 54 and my body doesn't lose more. Should I go step number 3 now? Of course you can. 54 is not a problematic weight. 54 kilos, écoutez, c'est bien, Sherianne. Allez-y, go on, number 3. Passez en consolidation. Taos Aflor, bonsoir docteur. Zeynep, bonsoir docteur. Zeynep, you speak French. If you speak French, Zeynep, I am going to learn you a great new. We work with Irina on a new contest, the contest of the queen of Dukanian in the world. We are going to ask, Irina will write you
next week. But it is a contest, and the winner, anywhere she lives in the world, will come to me in France, the number one and the number two, because I don't want only one queen, because I don't want to be suspected to have a bad thinking about. No, one, two people, the two queen of Dauphinian in the world will come to Paris. It depends of the score she will get. Peut venir de n'importe quel pays du monde, du Brésil, d'Alaska, de Turquie, d'Azerbaïdjan, d'Indonésie, du Japon, de Chine. Son vol lui sera payé. Elle sera dans un palace à Paris et elles viendront les deux dîner avec moi dans un palace parisien, dans un immense restaurant parisien ou sur les bateaux mouches comme on l'a vu. Mais vous allez en savoir plus, vous allez voir. C'est quelque chose de formidable. On va élire la reine des Dauphiniennes dans le monde. Je suis tellement heureux. Karima Medat, can you speak English? Yes, but if I speak English, the French, they will not understand what I talk. And I am a French boy, so sometimes when the question is English, I answer in English, but I cannot make all the live in English. Next week, or maybe the week after, I will make a live in English. Okay, Karima? Daniela Macari, selon l'indice chimique, pourquoi avez-vous choisi la fécule de maïs et non l'amidon de riz, qui a un indice inférieur? Je vous l'ai dit, parce que la fécule de maïs a un meilleur goût, et qu'il n'en faut pas beaucoup, hein, on parle de cuillère à soupe. Taos, mais c'est bien, Daniela, que vous soyez informé de tout ça, ça me plaît que vous vous intéressiez. Taos à Flore, moi je suis sucré, et heureusement que j'ai vos petits gâteaux du camp. Je ne suis plus en régime, mais j'ai changé radicalement ma façon de manger. Je dis toujours, le régime du camp, s'il est fait de façon intelligente, on peut contrôler son corps. Eh bien, Taos, vous êtes sympa, c'est gentil. C'est gentil, Taos. Sarah Fennel est là. Bonjour, Sarah. Viviane Fernanda Garcia. Qu'est-elle disait Raquel Andreas Matos? Qu'est-elle disait? Ah, vous parlez à Raquel. Ok, je vois que les Brésiliennes font bande à part. Alors, Amanda Lermite. Oui, c'est moi. Et j'ai 38 ans. Pourquoi vous dites « oui, c'est moi, je vous ai demandé » pas encore quelque chose, mais « ah, ou alors je vous ai… » « Ah, c'est vous qui tirez la langue, 38 ans !» Ben, dis donc, vous faites beaucoup moins. Bravo, Amanda. Je ne vous avais pas reconnu. Carmen Ossu, bonsoir, cher docteur. Amanda, j'essaye de maigrir. Et, Amanda, si vous essayez de maigrir, soit vous, si vous voulez mon aide, expliquez-moi votre cas. Amanda, vous me dites votre âge, ça, votre âge je le sais, votre sexe aussi je le sais. Vous me dites si vous êtes sucré ou salé, votre hauteur, hein, en taille j'ai besoin de savoir, si vous avez des enfants, quelle est votre activité physique, si vous êtes d'une famille où on grossit facilement, et je vous aiderai si vous avez besoin de moi. Viviane. Docteur, vous apprendrez au idioma français sous paravers à Suez Lives. Vous voulez que j'apprenne? Je ne comprends pas votre question, Vivien. Docteur, j'adore quand vous m'appelez docteur. Vous apprendrez au idioma français sous paravers. Ah, vous voulez apprendre? Oui, 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 Vivien, apprenez. Johan, Jojo Léopold. Est-ce glucides qu'il ne faut pas manger? Oui, il ne faut pas manger des glucides rapides. Vous pouvez manger des glucides lents, comme les légumineuses, le riz, les lentilles, le haricot blanc, voilà, ça vous pouvez. Mais les glucides rapides, non. Ça vous fait grossir et ça fatigue votre pancréas. Gisèle Arnay est là. Lily Kiki, Siddoc. Bonjour Lily. Séverine Sayag, grâce à vos précieux conseils, j'ai perdu 13 kilos.
Malheureusement, j'ai repris 4 kilos très rapidement car je ne supporte plus les protéines. La frustration, je n'arrive pas à consolider dur, dur. Non, 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 Séverine, ne me dites pas des choses comme ça, hein. Vous venez m'en parler en message privé ou vous venez sur mon groupe et vous m'expliquez et on repart. Je vais vous expliquer, ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution, hein. Et puis, les protéines, c'est grand. Il y a de la viande, il y a du bœuf, il y a des poissons, il y a des fruits de mer, il y a des laitages, il y a plein de choses dans les protéines. On va travailler ça. Elna Chirati. Ah, Elna. Qu'est-ce que je suis content. Bonsoir, je viens d'arriver. Je ne sais pas où vous avez déjà parlé des carottes cuites. Pourquoi nous n'avons pas le droit? Parce que quand on cuit des carottes, on leur donne un index glycémique majeur. Hein? Si vous me relisez, vous verrez. C'est cata. Cru, tant que vous voulez. Enfin, non, pas tant que vous voulez. C'est bon, c'est bien, vous pouvez en manger. Mais cuite, non, parce que ça fait monter le sucre très rapidement. Puis ça n'a pas bon goût, les carottes cuites. Enfin, c'est pas mal. Bon. Marie Allègre, les chaînes. Bonsoir, Marie Allègre. Ah, vous avez des jolis cheveux blancs. Et des beaux yeux, Marie Allègre. Orlando Adel Nascimento. Bonsoir, docteur. Fidèle à Ducamp. Merci, Orlando. Myriam Mina, vous me parlez en arabe, mais je ne comprends pas. Daniel Makouri, Daniel Makouri, je suis content. Vous m'envoyez des cœurs, un petit chien qui m'envoie des cœurs, j'adore. Caramel Gigi, bonsoir docteur, les protéines font maigrir. Oui. Je pense que si dans une ration, vous augmentez les protéines, bah, vous savez, de toute manière, une ration, c'est un tout. Donc, dès l'instant où vous ajoutez des protéines, vous êtes obligé de manger moins d'autres choses. Et si vous mangez moins d'autres choses, c'est que vous mangez moins de glucides et que vous mangez moins de graisse. Donc, par définition, vous maigrissez. On peut dire dans ce sens que les protéines font maigrir. Orlando, Adèle Nascimento, je mesure 1,63 et je pèse 61. Je n'arrive pas à perdre plus. J'ai déjà perdu 30 kilos chacune de mes deux grossesses, de mes trois grossesses. Orlando. Si vous pesez 61 kilos pour 1,63 m, c'est pas mal. Si vous avez déjà perdu 30 kilos, est-ce que vous avez vraiment besoin de perdre ces derniers kilos? Parce que les derniers kilos sont toujours les plus durs à perdre. Est-ce que vous vous plaisez comme ça? Est-ce que vous plaisez aux gens qui vous entourent? Est-ce que vous plaisez à votre mari ou à la personne avec qui vous vivez? C'est important parce que sur le plan santé, 1,63 m, 61 kilos, il n'y a pas de gros risque, il n'y a pas de vrai problème de santé. Sauf si vous êtes diabétique, mais si vous n'êtes pas diabétique, voilà. Bon. Moi, je vous conseille de réfléchir. Hein. Si vous y tenez vraiment, je vous aide. Maja, laissez-moi voir. Qui êtes-vous? Oh, Maja, Maja, Maja. D'accord. Vous me dites 50 days, moins 13 kilos en 50 jours. Piou! Maja, c'est formidable. Et vous êtes de Croatie. D'accord. Vive la Croatie! Ma non, bonsoir Doc, bonsoir Ma, Steph Annie, bonsoir Monsieur Pierre, bonsoir Stéphanie, je suis passé sur votre site, hein. Si, n'oubliez pas, si vous avez besoin de moi, je suis là, n'hésitez pas. Leila Suleiman, I love you Docteur Duquesne, avec deux cœurs, merci Suleiman, merci beaucoup 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 beaucoup. Ah, vous êtes d'Azerbaïdjan. J'aime l'Azerbaïdjan. J'aime l'Azerbaïdjan parce que j'aime beaucoup Zeynep. Zeynep, c'est ma grande amie. Taos Aflor. On vous aime, monsieur Ducamp. Moi aussi, je vous aime. Je vous aime tous, toutes. Voilà. Bon, j'ai un petit faible pour Zeynep, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Oh, non, pas que pour elle. J'en ai d'autres, mais j'aime beaucoup Zeynep. Qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas. Pourtant, je ne la connais pas. Leila Suleiman. You are great man. Thank you, Leila. Shanès Bitar participe. Leila Sterk. Vivant au Kenya, je n'ai rien à 0%, même les steaks hachés, donc je mange tout comme je trouve. Bon, c'est pas grave, Leila, vous pouvez maigrir quand même. Hein. Vous avez la chance de vivre au Kenya. Vous êtes professeur, je vois qu'il y a dans votre photo de profil plein de petites Kenyanes. Qu'est-ce qu'elles sont belles! Oh, et puis elles font des sourires. Elles sont mignonnes, mignonnes. Oh là là, ces jolis petits visages. Alors, Léna, oui, vous vivez. Non, mangez comme vous trouvez. Bon, bah, vous savez, ça dépend. Les laitages, même les steaks hachés, bon, bah, les steaks hachés, c'est peut-être du 8, du 10%. C'est pas gravissime. Hein. Ce qu'il faut, c'est éviter les sucres, je vous ai dit. Hein. Le reste,
c'est moins grave. Ami Moss, good evening docteur. Good evening ami. Ouais, attendez, j'ai perdu quelque chose. Alors, Zeynep, docteur du camp, this contest will be very exciting. Yes, it will be very exciting, but because anyone can come from long way to Paris, hein? Even you, Zeynep, hein? If you are the winner, you will, if you want, if you will be in Paris. Gerardo Stabile, vous êtes là, Gerardo. Un homme, encore un homme, je suis content. Nadia Madadi, Vanessa Rosine, Elna Shirati, les carottes crues, je suis allergique, c'est pour cela que j'en mange cuites. Oula, oula, Elna, qu'est-ce que vous me racontez? Les carottes, qu'elles soient cuites ou crues, si vous êtes allergique aux carottes crues, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je crois, je comprends pas ça. Carottes crues, cuites, c'est exactement la même chose qu'il y a dedans. Donc vous ne pouvez pas être allergique aux carottes crues et pas aux carottes crues. Cuites, ça ne va pas. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Docteur, je suis de la Martinique. Ça, c'est Caramel Gigi. C'est joli comme nom, Caramel Gigi. Voilà. Oh, je vous regarde. Bon. Et puis, je vois que vous avez des tatouages. Gigi. Elle, or. Bonsoir. J'aimerais vraiment avoir votre avis sur les barres protéinées achetées en pharmacie, car j'en ai besoin le matin. Ben, écoutez, les barres protéinées, ça dépend lesquelles. Elle, or, envoyez-moi votre... Vous savez, sur les barres, il y a la teneur, la valeur calorique, protéines, glucides, lipides, et les ingrédients. Donc, dites-moi ce qu'il y a dedans, et je vous dirai si ça vaut la peine. Mais en principe, des barres protéinées, il n'y a pas trop de sucre, mais il y en a dans lesquelles il y a beaucoup de sucre. Il y a une dame qui m'a... Alors, il y a une dame qui envoie son chauffeur à la boutique où je suis, rue Brunel. Je ne suis pas tout le temps, mais il m'arrive d'y être. Et elle commande une quinzaine de barres chaque semaine. Bon, alors, très bien. Bon. Et je reçois un coup de téléphone de sa secrétaire qui me dit, voilà, ma boss adore vos barres. Et l'autre fois, on lui a fait un cadeau, on lui a donné un livre de vous. Bon, on voulait vous remercier. Alors, j'ai dit, ben, c'est très bien. Et elle me dit, bon, moi je suis secrétaire depuis 9 mois, et avant elle prenait des barres protéinées, parce qu'elle ne voulait pas grossir. Pas pour maigrir, hein, c'est une femme qui est dans le spectacle, etc. Donc elle est jolie, et elle a besoin de rester jolie, elle a raison. Donc elle achetait des barres, et elle disait, parce qu'elle en prenait 2 ou 3 par jour, elle disait, j'ai l'impression que je grossis. Et alors, sa secrétaire, elle me dit, j'ai regardé, oui, il y avait des protéines, mais qu'est-ce qu'il y avait comme sucre aussi? Donc, elle grossissait. Et avec vos barres, eh ben, elle ne grossit pas du tout. Et elle en prend 2 par jour, 2 ou parfois 3, et elle ne grossit pas du tout. Alors, elle ne veut pas maigrir, elle n'est pas au régime. Hein, mais voilà. Alors, donc, envoyez-moi la composition. Fabricia Gula, boa tarde. Boa tarde, ça, c'est du brésilien. Myriam Mina, bonsoir docteur, j'aime trop les gâteaux, même je fais du sport, mais je suis d'Algérie. Ah, eh bien Myriam, bravo, bravo, moi j'aime beaucoup l'Algérie, c'est un beau pays. Alors, Fabricia Goulard, docteur, o farelo na estabilizao el, attendez, el todos os dias ou so na quinta proteica. Qu'est-ce qu'elle me dit, docteur? Farelo, non, stabilisation. Fabricia, je ne comprends pas le portugais, mais je vais vous répondre un peu plus tard. Un poco más tarde, io escribero a usted. Fabricia. Brigitte Birker de la Torre, merci docteur pour tout ce que vous faites pour nous. Oh là là, puis je vois des marques de rouge à lèvres. Ah oh, ça me fait plaisir. Merci Brigitte. Nadège Paulet. Bonsoir à vous, docteur. Encore merci pour cette recette, c'est formidable. Moins 7,4 kg en 45 jours. Super contente, bonne soirée à vous. Eh ben, je suis fier de vous. Bravo, Nadège, ça me fait plaisir. Myriam Mina, qu'est-ce que vous mettez? Oh, un petit cœur avec quelqu'un qui fait des bisous. C'est vous, ça, Myriam? Bravo, merci. Elodie, bonsoir, Elodie. Couronne de fleurs. Elle, oh,
Les barres protifast. Alors, les barres protifast, 159 calories par barre, 4,1 grammes de glucides, dont 1,1 et 15 grammes de protéines. Ok, Hello, or, vous pouvez, hein, les barres protifast, vous pouvez les prendre. Hein, vous pouvez les prendre. Il n'y a pas trop de glucides. 4,1, ça va, vous pouvez. Et puis, il y a Maria, alors ça, c'est aussi, qui est aussi grec. Elle a des jolis talons de chaussures. Et je vois, dès que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 cœurs. Et 1, 2, 3, 4 baisers. C'est génial. Bravo, Maria. Fabricia Gullard, au docteur Pierre Obrigado, Pella Attentio. I shall write you. Hein. Alors, si vos barres sont moins sucrées, je prendrai les vôtres. Oui, elles sont moins sucrées. Un petit peu moins sucrées, mais elles sont riches surtout en... Elles sont protéinées, pas autant que ça, hein, mais elles ont très bon goût. Je ne sais pas si celles-là sont bon goût, mais elles sont moins caloriques. Elles sont moins caloriques. Celles de Ducan, 90 calories. Ah ben oui, oui, ah oui. 159 calories. Ben oui, ça fait beaucoup moins. Donc, prenez les miennes. Je ne les ai pas faites pour le chat. Voilà. Et la dernière, c'est Lia Maria. Non, ce n'est pas la dernière. Je croyais que c'était la dernière, mais Amanda l'ermite vient d'arriver. Voilà, je vous ai envoyé un message. Merci, Amanda. Oh, il y a quelqu'un d'autre qui arrive encore. Mina Bimser. Et El Campo est meilleur avoine et cacao dégraissé, bien noté par Yuka. Et la compo... Ah, alors, je vais vous dire, puisque vous me parlez de Yuka. Oui. Yuka note selon des critères qui sont bons. Et il donne 4 niveaux de notes. Il y a l'excellent, il y a le bon, il y a le moyen et il y a le mauvais. Yuka... C'est pas de la rigolade. Quand c'est pas bon, on nous dit, c'est mauvais. Bon, eh bien, Mina, dans Yuka, nous avons 27 produits qui sont excellents. Excellents. Et le Nutri-Score, je ne sais pas si vous connaissez le Nutri-Score, mais ça va devenir obligatoire. Bientôt, il va y avoir... On ne pourra pas faire une publicité sans parler du Nutri-Score, sans afficher son Nutri-Score. Eh bien, dans le Nutri-Score, la marque Ducan, les produits que nous faisons, nous sommes la marque qui en a le plus en France dans ces produits-là. Nous avons 37 Nutri-Score A. Il y a Nutri-Score A qui est le meilleur, il y a le B, il y a le C, il y a le D, il y a le E. Quand vous êtes dans le E, vous êtes en queue de peloton. On a 36 Nutri-Score A. Pourquoi on a tous ces Nutri-Score A ? Parce que depuis le début, on fait, sans le savoir, on fait du Nutri-Score. Hein, parce que c'est notre manière de fonctionner. Voilà. Les barres sont d'avoine et lin. Combien par jour en croisière ? Une par jour en croisière. Nina Ange. Bonsoir, docteur. Ah, Nina Ange, je vois votre profil de dos. On voit votre... chignon, mais vous ne mettez pas votre visage, donc je ne sais pas qui vous êtes, mais apparemment, ça ne doit pas être mal. Bonsoir, docteur Ducan, bonsoir à vous. Mina, une barre égale intolérée. Oui. Caramel Gigi, merci pour vos bons conseils. Mina, j'adore Yuka, c'est pour ça, franchement, les barres Ducan sont super bien notées, et d'autres produits également, du coup, je suis en conso, mais j'utilise tout le temps les produits Ducan. Vive Yuka! J'adore. Yuka, c'est une jeune femme qui s'appelle Julie. Hein, et je suis en contact avec elle. Oui, elle a fait un bon travail. Un très, très bon travail. Alors, où est-ce que vous êtes ? Daniela Macari, pouvons-nous manger du gingembre mariné en pépé ? Mariné, oui. Ah, en pépé, très peu alors. Hein. Si vous le prenez pour faire de la cuisine, oui. Si vous le prenez comme ça à manger, non. Hein, comme ingrédient pour parfumer, oui. Voilà. Nina Ange, je vous adore, mais je n'arrive pas à tenir votre méthode, sachant que je pèse 90 kg pour 1m58 SVP. Il me faut combien pour la phase d'attaque ? Nina Ange, je vous en prie.
venez sur le groupe, je vous prends en main. Je vous prends en main, mais je vous demande qu'une chose. C'est dans votre photo de profil, vous tournez pour que je ne vois pas que votre chignon. Ça me fatigue de voir un chignon, bien qu'il soit joli. Mais pourquoi vous ne montrez pas votre visage? Moi, je travaille à visage découvert. Si vous voulez me faire plaisir, montrez-moi votre visage. Hein? Et je vous promets que je viens à votre secours. 1m58 pour 90 kg, ça n'est pas bon. Ça n'est pas bon. Hein? Donc, il faut que vous fassiez quelque chose. Vous m'avez l'air jeune, il faut le faire. Venez, non seulement moi je vais vous aider, je vais vous conduire, je vais vous guider, mais vous allez avoir toutes ces femmes formidables qui sont là et qui ne demandent qu'à aider. C'est un réel plaisir de les voir à l'œuvre. Je vous en remercie, j'en profite pour vous dire que je suis très 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 heureux de vous voir à l'œuvre, aidant les uns, aidant les autres, donnant un avis, etc. Hein, c'est génial, vous êtes toutes formidables. Fabricia, Goula, Brésil, Ya, Podia, Terre à Loja Ducan. Brésil, Ja, Podia, Terre. Ah, je ne sais pas ce que ça veut dire. Fabricia, I will answer you, I promised. Noélie Bruxessa, participe. Elle, or, ce serait super des desserts du camp, rayon frais, flanc. Il y en avait des flancs, on a eu des flancs. Hein, oui. Mais le problème de la grande distribution, c'est qu'on ne peut pas tout avoir, parce qu'il faut faire de la place pour les autres. Quand ils vous prennent 4, 5 produits, 6 produits, 7 produits, 8 produits, ils vous disent, écoutez, laissez de la place pour les autres. Par exemple, là où on a le plus, c'est, je crois, c'est Carrefour. Par contre, on n'est pas assez présent chez Monoprix. Pourtant, au départ, on avait, je ne sais pas, chez Monoprix, il y a des difficultés. Si jamais vous allez dans un Monoprix, vous dites, pourquoi vous ne faites pas les produits du camp? Ils font les produits frais, hein, ils font les galettes, etc. Mais les biscuits, par exemple, ils n'en font pas. Donc, si jamais vous pouvez leur glisser à l'oreille, ils sont très attentifs à ce que les clients demandent. Alors. Sonia Custodia. Bonsoir, j'aimerais perdre 5 kilos après ma grossesse. Mon fils a 2 ans et demi. Maintenant, j'ai déjà perdu, mais j'aimerais donner un bon coup de boost rapidement. Je suis à 59 kilos pour 1m61. J'aimerais arriver à 55, mais rester en forme, car je suis H. C'est quoi H? HS, HS, ah pardon. Et c'est un boulot fatigant. Et depuis, j'ai 3 enfants, donc il faut que je sois en forme. Et la plupart des régimes me laissent sans force et irritable. Merci de vos conseils. Écoutez, Sonia, vous me posez un problème, parce que 59 kilos pour 1m61, moi je trouve que c'est pas mal. Hein, je trouve que c'est pas mal. Vous voulez 55? Bon, la question c'est pourquoi? Parce que d'un autre côté, si vous étiez en super forme, j'ai pas aucun problème. Mais vous voulez rester en forme car vous êtes HS. HS, je sais pas ce que ça veut dire HS. Normalement, HS, ça veut dire hors service. Bon, HS, ça veut dire fatigué, boulot. Alors, vous avez un boulot fatigant, je sais pas ce que vous faites. Vous avez 3 enfants, vous restez en forme. Moi, je vous conseille de faire l'escalier nutritionnel. C'est le meilleur moyen. Hein? Et là, escalier nutritionnel, vous allez perdre 1 kilo par semaine. Ouais, 1 kilo par semaine pendant les 2 premières semaines et 800 grammes pendant les... ça fait 2 kilos, ça fait 3 kilos 6 en 4 semaines. Et basta. Hein, Sonia, n'exagérons pas. Parce que les derniers kilos sont durs à obtenir et sont durs à garder. Quel groupe? Nina, quel groupe? Ça s'appelle Maigrir Ensemble. C'est un groupe Facebook. Maigrir Ensemble avec Pierre Ducamp. Maigrir Ensemble avec Pierre Ducamp. Je vous attends, Nina. Et avec une photo de vous, visage de face. Je suis sûr que vous êtes une belle femme. Hein? Voilà, ne vous cachez pas. Annie Sophie Maréchal. Bonsoir, docteur. Je fais 1m73 pour 80 kg. Combien devrais-je perdre? Anne Sophie. Ça dépend de votre âge. Je regarde votre truc. Apparemment, vous êtes jeune. Donc, ouais, vous avez l'air d'avoir 30, entre 30 et 33 ans. 1m73, vous êtes grande. Vous pourriez peser. Vous pourriez perdre. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. 8 à 10 kilos. Allez, disons 8 ou 10 kilos. Ça dépend de l'âge, ça dépend du nombre d'enfants. Si vous voulez me donner quelques compléments d'information, je vous répondrai plus précisément. Hein? Donc, vous me dites votre âge, le poids maximum que vous avez pesé dans votre vie, ça m'importe,
le nombre d'enfants que vous avez, si vous en avez, si vous êtes sucré ou salé, si dans votre famille il y a des gros, si vous avez une activité physique, voilà. Hein. Mina, et je m'occupe de vous. Mina Blemser. Docteur, je rêve de participer à l'un de vos événements sur un stand et tout. C'est la deuxième fois que je fais du camp, j'ai perdu 30 kilos la première fois et je n'ai même pas repris. Attendez, attendez, Mina, qu'est-ce que vous me dites? Je ne comprends pas. Vous rêvez de participer à un de mes événements sur un stand et tout. C'est la deuxième fois que je fais du camp. Écoutez, Mina, dès que je fais quelque chose, je vous invite. Promis. Attendez, quel est le prochain? Je vous promets, je ne sais pas où je serai, mais ou une conférence de presse, ou vous dites-moi où vous habitez, hein, si vous êtes dans Paris, région parisienne. Voilà, Mina. Envoyez-moi demain un petit mot ou ce soir pour me dire où vous êtes. Alors, Natacha Reich, je veux bien être prise en main aussi. Eh bien, Natacha, venez sur le groupe et je vous promets que vous allez être prise en main et vous allez voir, vous allez être formidable. Natacha, je vous attends. Or, est-ce que le Lévothyrox influe sur la perte de poids dans votre régime? Le Lévothyrox, non. Mais si vous prenez du Lévothyrox, c'est que vous avez un problème de thyroïde. Et les problèmes de thyroïde influent sur le régime, surtout si vous ne prenez pas la bonne dose. Hein? Le Lévothyrox veut dire que vous êtes hypothyroïdienne et qu'on vous donne du Lévothyrox, qui est de l'hormone thyroïde de synthèse, et que cette hormone thyroïde de synthèse remplace ce que normalement votre thyroïde doit fabriquer. Alors, il faut que vous soyez totalement substitué, qu'on vous donne exactement la même dose de Lévothyrox que le taux d'hormone dont vous avez besoin. Et comment le sait-on? On le sait en faisant un test qui s'appelle la TSH. Et ce test-là, il faut qu'il soit entre 0,8 et 1,3. Vous pouvez avoir un peu plus, mais si vous voulez suivre et si vous voulez être corrigé sur le plan de la thyroïde et pouvoir maigrir, il faut que vous soyez entre 0,8 et 1,3. Et la plupart du temps, je ne sais pas pour quelle raison, les gens sont mal équilibrés et ils ont du mal à maigrir. Laurence Gaudissart, ma chère Laurence Gaudissart, bonsoir cher Pierre, bonsoir Laurence, je vois que vous arrivez toujours aussi tard. Daniela Macari, merci pour tout, je t'adore. Bonsoir, à bientôt dans le train. Je vous répondrai ce soir. Dans le train, hein, ce soir ou demain matin. Sonia Custodo, désolé, ce sont les rondeurs disgracieuses qui me gênent. HS, aide-soignante. Ah, d'accord. HS, ça veut dire aide-soignante ou ça veut dire au service? Oui, les rondeurs disgracieuses. Eh, Sonia, rondeurs disgracieuses. Hein. Si vous n'aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes qui ont quelques rondeurs. N'oubliez pas que j'ai écrit un livre formidable qui s'appelle Les hommes préfèrent les rondes. Alors, Elodie, ah Elodie, agent service hospitalier docteur. Ah, vous êtes agent service hospitalier. Eh bien, vous avez toute ma considération, toute mon affection et toute ma bienveillance. J'adore les agents hospitaliers, surtout ceux qui mettent les mains à la pâte. Hein? Je suis allé l'autre fois dans un hôpital, je dis, on ne savait pas que j'étais médecin. Hein, et j'ai vu travailler des infirmières. Franchement, ça m'a donné un chaud au cœur. Mais des filles formidables, formidables, qui se dévouent, qui aiment les gens, qui aiment redresser, détordre la souffrance. C'est une merveille. Hello, en Marseille, il y a un rayon du camp dans tous les magasins, mais souvent que sur quelques produits. Le mieux, c'est Auchan. Ah, très bien. Alors, Hello, pourquoi vous ne me faites pas le service? Quand vous êtes dans ces magasins, de dire, mais on voudrait que avoir les produits du camp. Vous dites ça une fois, deux fois. Au bout de deux fois, le chef de rayon, il va directement voir le chef de le directeur ou le patron et il lui dit, il nous faut des produits du camp. Surtout si vous leur dites, il y en a plein chez Auchan. Hein? Alors, Hilda de Claire, où trouver les produits du camp en Belgique? Merci, bonne soirée. Il y en a chez Carrefour. Hein? Il y en a chez Carrefour, Hilda. Elna Shirati, je fais des allergies croisées, pollen de bouleau et alimentaire. Donc carottes crues, non, et tolérance des carottes cuites. Comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous seriez intolérante aux carottes crues et pas aux carottes cuites. Ça me semble bizarre. Mais je vous crois, Elna.
Hein? Je vous crois. Alors, Nina Ange, d'accord, merci beaucoup. Ok, Nina. Je vous attends. Laurence Gaudissart, oui, c'est vrai, Mina est une très jolie femme. Vous la connaissez? J'ai vu sa photo. Ah, ben moi, je n'ai pas vu sa photo. Donc, vous voyez, vous avez plus de chance que moi. Gabi, j'ai perdu 5 kilos, je n'arrive pas à perdre plus, je pèse 90. Gabi, je crois que vous ne faites pas ce qu'il faut qu'il faut. Donc, faites. Oh, vous êtes avocate? Ah non, Dan Check, je vois que vous avez. Bah si, ah non, c'est un truc d'université. D'accord. Eh bien, Gabi, vous aussi, vous êtes la bienvenue sur le groupe. Et croyez-moi, ça va barder. Vous allez voir comment les kilos vont s'envoler. 5 kilos, j'ai perdu. Vous n'arrivez pas à perdre plus que 5 kilos si vous faites 90. Qu'est-ce que vous me racontez, Gabi? Je crois que vous êtes une gourmande. Allons-y, venez demain. Colombu, je participe. Et elle ne me dit rien, Colombe. Pourquoi vous ne me parlez pas? Vous êtes en colère? Hilda de Clercq, je suis de Belgique, on trouve les produits à Carrefour. Ah! Voyez, hein? Voyez le rôle des groupes. On se parle, on s'entraide, vous ne trouvez pas? Laurence trouve, elle vous le passe, et hop, on a un réseau d'amitié. Chiara Tallarica participe. Colombuche, le CAM, un petit cœur. Non, non, ça ne me suffit pas, un petit cœur. Je veux parler à Laurence, à Colombuche. Laurence Gaudissart, oui, je rentre chaque jour vers 20h15, 20h30, je me dépêche le jeudi pour vous retrouver. Et moi, je traîne pour vous voir arriver. Je plaisante, c'est pas vrai. Mais ça me fait plaisir. Justement, je suis une infirmière. Vous aussi, ça, je le sais. Oui, si un jour je suis malade, je voudrais une infirmière comme vous, Laurence. J'espère ne pas être malade pour tenir bon, hein, auprès de vous. Alors, je suis en hypo sous lévothyrox 100 mg, T4 à 6,14. Et je perds très lentement, tout le temps fatigué. Attendez, attendez. T4 ou TSH à 6,17? Si vous êtes fatigué, c'est que vous n'avez pas. Et alors, très important, dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce T4 à 6,17? Je m'en fiche du T4. C'est la TSH qui m'intéresse. La TSH, c'est ça qui va me donner votre niveau de substitution. Et si vous perdez 30, lentement et que vous êtes fatigué, c'est que vous êtes en hypo. Alors, le pire de tout, c'est si vous êtes frileuse. Alors, si vous êtes frileuse, et si vous êtes constipée, et si vous perdez vos cheveux, c'est le top. Vous êtes sûrement en hypothyroïdie. Mais donnez-moi votre T4, T3, DE, TSH. Peut-être que vous n'êtes pas en hypothyroïdie. Hein. Je ne veux pas répondre sans savoir. Hello, je connais beaucoup de directeurs de magazines. De magasins, je ferai le message. Merci, alors. Vous savez que. Il y a eu des magasins, c'était quoi? Oui, des Leclerc. Il y a une personne qui est allée chez Leclerc de deux ou trois magasins qui dit, ouais, il n'y a pas de produits du camp, comment ça se fait? Et immédiatement, le directeur nous a appelés en nous disant, vite, vite, faites envoyer les produits. Merci, Elor. Alors, Orlando Adel Nascimento. Oui, une très jolie femme, c'est ma copine. Eh bien, écoutez. Si c'est votre copine, alors si elle est si jolie, pourquoi elle est de dos? Ça va pas ça, hein? Quand on est belle, il faut le montrer. C'est un plaisir des yeux. Hilda de Clercq, merci, bonne soirée. Merci Hilda. Maintenant vous savez. Et alors, pourriez-vous me prendre en charge si je vous envoie mes résultats TSH, car les médecins me baladent avec mon hypothyroïdie qui me gâche la vie. Alors, et alors, je vais vous expliquer. Quand vous avez un compte rendu de laboratoire, il est marqué. Dessus, et je ne sais pas pourquoi, pour quelle raison, il est marqué normal, je parle de la TSH, c'est le seul qui m'intéresse, normal de 0,3, de 0,3, c'est-à-dire le tiers de 0,3 à 4,30. Vous vous rendez compte l'écart? Comment on peut être normal entre 0,3 et 4,3? Donc, il y a eu parmi les spécialistes de la thyroïde un consensus qui disait. À partir de 2,5, 3, ça ne va plus. Ce n'est pas normal. Il faut faire quelque chose. Donc, et on a modifié cette composition. Tout le monde, normalement, les endocrinologues le savent, les laboratoires n'ont jamais reporté ça sur leur. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ont imprimé des millions, peut-être, et ils ne veulent pas les refaire. Mais voilà, c'est comme. Non, je plaisante. Mais on en est resté à cette notion. Que la thyroïdie normale, c'est entre 0,3 et 30. Non, 0,3 c'est un peu bas, 1 c'est bien, 1,20 c'est bien, 1,30 c'est bien, 1,40 ça peut aller, au-delà c'est bien, jusqu'à 2,5
si vous n'êtes pas hypothyroïdienne, mais si vous êtes hypothyroïdienne et que vous prenez du lévothyrox, il faut que vous soyez, et que vous voulez maigrir, alors là, il faut que vous soyez entre 0,8 et 1,3. Envoyez-moi vos... Mais je vous dirai. Noélie Bruxassa, vous, glaces, où pouvons les trouver? Vous aviez des glaces avant à Casino, maintenant où? Noélie, je crois que vous ne les trouverez pas, pas encore. Mais toi aussi, t'es canon, ma poule, et d'une aide précieuse à Mina. Oh, c'est gentil, ça. Colombuche, oh non, jamais je ne serai en colère contre vous, je vous aime trop. Eh bien, moi aussi. Mais je... Alors, l'amour, c'est bien, mais les preuves d'amour, c'est mieux. Dire à quelqu'un, je t'aime, c'est bien, mais lui dire, je prends du temps pour toi, je t'envoie des messages, voilà, ça, c'est des preuves d'amour. Donc là, vous me dites... voilà, vous m'écrivez, ça me plaît. Vous savez que je plaisante, Colombe. Moi, je vous adore, vous faites partie de mes préférés. Je ne devrais pas dire ça, mais j'ai des préférés. J'ai des préférés, je voulais que je vous dise. J'aime tout le monde. Mais il y en a quelques-unes qui... Bon, il y a des faiblesses. Hein. J'ai un faible. Christine Moutet participe. Orlando, Adèle Nascimento, Mina Blemsa, tu es mon pilier, mon modèle. Oh, qu'est-ce que c'est sympa tout ça. Colombe Huche, j'ai abandonné méthode escalier car trop gourmande. J'ai repris la méthode forte qui me convient parfaitement. Je pense à vous tous les jours, ça m'aide à perdre. Bravo. Alexa participe. Réponse à Mina. Ça, c'est Laurence Gaudissart qui répond. Ah ah. Et moi, je parlais de toi. Je suis arrivé comme un cheveu dans la soupe. Alors, quelqu'un me parle en arabe, mais je ne comprends pas. Colombe Huche, j'étais triste de voir que vous aviez annulé plusieurs lives. Je m'inquiète toujours quand c'est annulé. Non, je n'ai pas annulé. J'ai annulé depuis. Depuis un mois, je le fais tous les deux. Je l'ai fait, c'est vrai, j'ai sauté une semaine. C'est vrai que en ce moment, j'ai beaucoup, beaucoup de boulot parce que je travaille sur mon application, la nouvelle application qui va être une bombe atomique. Bon. Merci de vous inquiéter pour moi. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression d'entendre parler ma fille. Hein, Colombe, vous pourriez être ma fille, hein, finalement. Mina, mort de rire. Je meurs le quiproquo. Oui, quiproquo. Alors, Leslie Colline, bonjour. 15 jours, je ne perds plus. J'essaye le 3-3, mais c'est bloqué. Que faire? C'est pas possible, Leslie. Ça n'est pas possible. Si vous faites le 3-3 et que ça ne marche pas, c'est que vous ne le faites pas bien. Hein? Écrivez-moi demain sur le groupe pour me dire qu'est-ce que vous mangez pendant ce 3-3. Hein? Allez, je vous attends. Colombuche, je ne veux pas monopoliser le live car je connais par cœur votre méthode. Mais dans le live, ce n'est pas la méthode. C'est se faire plaisir en se parlant. Parce que toute la médecine, si vous voulez, dans la médecine, il y a 50% de technique et 50% d'humain, d'émotionnel, de placebo. Quand vous dites à quelqu'un un mot gentil, eh ben, j'ai une fille qui va accoucher. Elle me dit, papa... J'ai vu deux médecins. Il y en a un, c'est un professeur, il est diplômé, il est à l'hôpital, il est dans un des plus grands hôpitaux d'accouchement, etc. Mais il est un peu froid. Et l'autre, il est dans une clinique, c'est un bon médecin, mais il est tellement sympa, il explique bien, il parle. Quand voilà. Et ben, je lui dis, ma fille, je ne sais pas quoi te répondre. Parce que moi, du mon cœur, personnellement, je préférais qu'elle soit dans les mains d'un grand patron, parce que je me dis, mon Dieu, pourvu qu'il lui arrive rien. Mais d'un autre côté, je comprends que. Et ça aide le psy. Et alors donc, nous, nos lives, ça fait une partie de, ben voilà, je vous donne des secrets pendant une heure, et dans la deuxième heure, on échange de l'affection, on échange des émotions, on échange des connaissances, on échange des directives. Alors, pour moi, c'est trop d'annulation. Vous avez qu'à me téléphoner. Voilà. Hein, comme ça, ben voilà. Mina Blimser, ça je parlais à Colombe. On vous adore, docteur. Moi aussi, je vous adore. J'adore toutes ces personnes qui sont là. Écoutez, il fut un temps où il y avait des gens qui venaient et qui avaient toujours un petit mauvais mot à la bouche. Hein, ce que j'appelle les haters, les gens qui haïssent, comme ça, qui, je sais pas, qui aiment bien les casseurs. voilà. Et bon. Et il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours un qui disait « Ah oui, oui vos régimes tuent, j'en sais rien, qu'est-ce qu'ils me disaient, bêtises, charlatans,
Voilà, bon, de la méchanceté, hein. Il y a des gens. C'est toujours étonnant de voir des méchants, parce qu'on ne vient pas au monde méchant, on devient méchant. Alors, moi, je les excuse parce que je sais que quand on est méchant, c'est qu'on souffre. Donc, je me dis, ma foi, bon, moi, je suis médecin, je ne suis pas là pour. Donc, je leur dis, ben, écoutez, oui, bah, oui, mais des fois, ça me chagrine, puis des fois, ça me met en colère. Ah, voilà, il y a quelqu'un. Qui est d'Alep. Ah, alors je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens d'Alep, mais qui me dit, vous m'avez manqué, tu es le meilleur docteur que j'ai jamais eu. Ça, c'est sympa, hein? Mais le nom est en arabe, donc je ne peux pas le lire. Mais je sais qu'elle est d'Alep, elle se reconnaîtra. Gabi, Gabi, bravo. Merci, Gabi, Gabi. Hein? Donc je vous attends, Gabi, Gabi. Hein? Si vous voulez venir, venez. Orlando, Adèle, toute la journée, on parle du camp. Hein? Réponse Amina. Mais oui, depuis 2001, je vous suis. Laurence Gaudissart, nous avons la chance d'avoir le meilleur nutriment et de plus, qui est une belle personne. J'ai hâte de vous rencontrer en vrai. Eh bien, moi aussi. Vous et votre mari. J'ai 67 ans. Ça, c'est Noélie Bruxassa qui me parle. J'ai 67 ans. Je suis votre régime. Pour 1,59 m, je pèse 57,9. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien, Noélie. 67 ans, 57,9 kg. Attendez, c'est sympa. Attendez que je regarde votre profil. Ah ben oui, je vous vois, vous êtes bien. Par contre, j'ai l'impression que le fils, il devrait faire un peu de régime. Hein? Dites-lui que. Ou alors je me trompe, mais j'ai l'impression quand même qu'il. Oui, bon, j'ai rien dit. Non, merci à vous. Voilà, j'ai fini. Je vais aller dîner, j'ai faim. Ah non, il y a quelqu'un qui. Constantina You. Carrie qui participe. Il y a Noé, là, Noélie Bruxelles qui dit oui. Il dit oui. C'est bien. Eh bien, vous êtes d'accord avec moi. Et je vois des petits cœurs qui s'allument sur le truc. Ça me fait plaisir. Si vous êtes là, envoyez-moi un petit cœur, une petite brassée de petits cœurs. Oui, ça me fait. Oh là, ça c'est. Allez-y encore, allez-y, allez-y. Des petits cœurs, ça fait plaisir. Voilà. Eh bien, écoutez, je pars en fanfare. Oh là, oh là, oh là. C'est chouette, ça. Oh là, ça dérive de tous les côtés. Ça chauffe le cœur. Ça fait plaisir, 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 plaisir. Vous êtes royales toutes. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Non, non, pas à la semaine prochaine. Dès ce soir ou demain matin, je suis sur le groupe et je vous réponds. Merci pour tous ces petits cœurs. Je vous embrasse moi aussi. Allez, à bientôt. Oh là là, attendez, j'éteins pas parce que je vois arriver des millions de petits cœurs. Qu'est-ce que c'est sympa! Je reste encore un peu, je vous dis. Oui, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, ça c'est. Eh ben, dites-moi. Ça bombarde. Allez, je vous embrasse.